Donc, rebonjour à tous. Donc, j'enchaîne directement avec la suite de Resident Evil 6 consacré au chapitre 5 et dernier chapitre de Léon et d'Elena. Et nous avons donc affaire à Simon, ce version T-Rex. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, je vous invite à aller la regarder parce que j'ai dû couper en pleine action. Ah bah si j'avais su, j'aurais pu peut-être le finir. Mais j'ai pas pris le risque parce que ma caméra est sous-coupée. Il restait peut-être 2 minutes sur ma caméra. Bon, ici si j'avais su, j'aurais fait la fin là, puisque ça prend 30 secondes de plus, mais je pouvais pas le prévoir. Donc désolé d'avoir coupé en pleine action. Donc on a la confirmation qu'Ada est bien vivante. Donc Chris Redfield a tué une autre Ada. Sans même savoir de qui elle est ou quoi que ce soit. Pour un militaire, c'est un peu spécial. Enfin, en même temps, il a tué celle qui a tué ses hommes, quelque part. Enfin, cela dit, sans vouloir spoiler, il ne l'a pas tué. Du coup... C'est ce que je disais un petit peu dans il y a deux ou trois vidéos d'ici. La campagne de Chris, pour ce qui est du scénario du Resident Evil 6, ben, il sert un peu à rien, quoi. Comme je le dis, heureusement que dans son dernier chapitre, il sauve Jake et Cherry. Enfin, il les libère, plus exactement. Donc là, je vais passer à la cinématique, je ne vais pas me faire avoir deux fois. Puisque Simons n'est pas mort. Et évidemment, il vient nous enquiquiner pendant que nous sommes dans un ascenseur. Et ici, nous avons la QTE la plus emmerdante. Rappelez-vous, la fameuse QTE de l'avion. Et ici, si vous loupez, ben, vous n'arrêtez pas de glisser. Et le problème, c'est que vous avez Simons au derrière. Donc, je dois vous dire que la première fois, quand je l'ai fait en mode découverte, ce passage m'a rendu fou. Surtout pas relâcher les boutons. Toujours regarder en haut, foncer et grimper. Donc on peut voir qu'ici Simon s'attaque à Ada. Alors on se dépêche pour pouvoir lui donner un petit coup de main. Alors c'est marrant, hein, toutes les filles auront droit à leur petite corde, à toi Tarzan, moi Jane. Ada Wong avec Léon, Elena ici avec Léon, et Cherry avec Jake aura le même coup. Je sais pas, c'est peut-être un petit clin d'œil à Tarzan, je ne sais pas. Non. Ah mince, je suis toujours sur la corde. Eh ben. Bah oui, vite, il est marrant, lui, vite. Alors ici, en principe, arrangez-vous pour avoir gardé quelques balles de sniper. Non pas que c'est extrêmement important, mais ça vous permet... Bon là, elle est en train de le frapper, donc c'est inutile de... Comme ça. Mais avec le sniper, vous ne vous ferez pas trop niquer votre précision. Parce que si vous essayez de tirer au magnum de loin, ou au pistolet, ou des choses comme ça... évidemment, ça vous coûte en précision, et là, c'est la galère. Donc vous protégez simplement... Ah ouais, d'accord, le zombie, là, je viens de lui tirer dessus avec une balle de sniper, il a rien senti. Il s'en fout comme de sa première dose d'hémoglobine. Oups. Bon, apparemment, j'ai pas tiré à côté parce que ça passait assez vite, quand même. Et merde, ça recommence. Ah ouais, bah c'est ici qu'on a notre copain aux fesses. Alors là, je crois que malgré... Ah non, ça va, on ne tombe pas, je croyais qu'il y avait un... Je n'ose pas lâcher les boutons, je peux vous dire que j'ai pas envie de vérifier. Gardez toujours vos doigts enfoncés sur R1 et L1 et relâchez un puis l'autre système d'embrayage. Voilà, c'est ici que c'est... On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche, merde! Il y a une QTE à faire, oh là 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 là. Ça, j'y ai... Ada est censée nous protéger, hein, mais...
Allez, grimpe, Léon, je t'en supplie. J'ai l'impression que ce truc dure des heures. Attends, je peux vous dire que je fais le tic-tac. Je me dépêche. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Regardez-le, c'est 10 cm par 10 cm. Hein. C'est... Il ne pensera pas à céder de ses jambes, hein, cet abruti. Moi, je suis sur une corde comme ça, je croise mes jambes, mais enfin mes pieds sur la corde et je grimpe. Hein. Tout le monde sait que quand on grimpe à une corde, en général, on utilise plutôt ses jambes que ses bras. Sinon, vous n'arrivez jamais au-dessus, vous arrivez au-dessus complètement épuisé. N'importe quel petit militaire, vous ferez la réflexion. Essayez de faire 10 mètres à la force des bras, sans vous aider de vos jambes, et vous n'arriverez jamais au-dessus. Donc là, on a le petit moment glamour. Il tient enfin Ada dans ses bras. Ça faisait longtemps, hein, depuis le Resident Evil 2. Ah d'accord, c'est scripté complètement, donc ça ne sert strictement à rien, je peux pas recharger. Donc là, on est là, comme des cons. Coucou, la la la, quelle belle ville. Tralali, tralala. Voilà, c'est fini ton scriptage de mes deux, là. Voilà. Alors là, c'est marrant, il lui sert du bouclier, quoi. D'accord, il a un gilet pare-balles, mais quand même. Donc là, elle faisait un petit somme, hein, c'est, voilà quoi, elle faisait semblant d'être fatiguée. Oh, ce calme. Ah, purée, il est chaud, hein, je peux vous dire. Ce boss, il est chaud. Ouais, bon, il est même un peu trop chaud. Voilà, vous avez heureusement plein de munitions sous la main, mais moi, je prends mon petit magnum. Je me fous des munitions en question. Par contre, ici, et... Ah, c'est toi. Ça m'a fait peur. Donc, plus vous tuez des ombres... Merci, Elena. Merci, Ada. Mais, putain, je t'avais oublié, toi. Ouais, pardonne-moi. Je t'avais oublié. Tiens, dans ton cul. Ouh, quel cul. Faut pas qu'il pète, là, hein, parce que... Là, je tombe du building, carrément. Mais, putain. Ouais, bah, ça va, et moi, j'existe. Et, oh, coucou. C'est moi le héros d'histoire, c'est pas dans ta campagne, hein. Bon, mais... C'est quoi ces manières? Purée! Ça, je l'avais oublié, ce coup-là. Non, non, ne tire pas, ne s'énerve pas. Allez, prends des baffes. Et tu vas les prendre, oui. Bon, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi j'ai pas pu lui asséner le coup de grâce là? Aïe! Aïe! Mon dieu! Et pourtant t'es pas petit, là, gars. Oula! Il m'a pas tué, il va pas me tuer quand même! Ah si! Ah ben il a failli m'en retourner, on me dit. Ça, j'avais... Mais enfin, tu me laisses recharger, espèce de... Mais putain, j'ai... Ah ouais, ça, c'est le truc scripté, ça va. Ouais, alors là, il marche sur la main, mais c'est son... Il lâche l'autre main, en fait. Donc, bon, faut pas avoir le vertige, hein. Donc là, quand on joue avec Ada, évidemment, faut foncer dessus. Faut pas oublier. Ici, comme dans la campagne de Léon, ça se fait automatiquement, mais... Elle pouvait pas lui foutre la barre de fer dans la tronche, non. Elle lui fout dans les côtes. Pourquoi pas... le décapiter une bonne fois pour toutes. Parce que malheureusement, ce n'est point fini. Il vient de se taper une centaine de mètres, hein. Enfin, 100 mètres, c'est... approximativement. Mais elle est toujours pas morte. Et elle, comme d'hab, quand je pense à Léon quand même, ça fait 15 ans qu'il est amoureux de cette fille et ça fait 15 ans qu'elle le fait marcher. D'accord, elle l'aime bien et tout ça, mais pas une seule fois
il aura eu l'occasion de conclure. Hein. Ça fait quand même 15 ans que ça dure. Hein. Et le mec, il est, c'est ce qu'on appelle l'amour, l'amour vache. Hein. Ou alors l'amour impossible. Je ne sais pas trop. Ou l'amour platonique. Je ne sais pas exactement. Vous choisissez la définition que vous voulez. Et là, il fait même coup qu'avec dans le Resident Evil 2 avec Claire. Hein, c'est plutôt que de rejoindre Ada, comme Elena lui propose. Non, on reste ensemble, ça va. Je reste avec toi. Il fait exactement le même coup à Claire dans Resident Evil 2, en fait. C'est un jeu, ce chapitre est malheureusement bourré d'action. Bon, d'accord, ok, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Mais par rapport à la diversité des environnements qu'il y avait dans les autres chapitres, on a un peu l'impression d'être toujours dans le même environnement. Même si on passe d'un toit à l'autre, hein, on est passé d'une arène à un ascenseur, et puis bon, sur une passerelle. Et ici, on se retrouve sur un toit. Et ça va pas être ça. Hein. Je regarde le temps que j'en suis de vidéo, ça va, 11 minutes. Je pense avoir le temps là quand même de finir sa troisième transformation. Ce qui m'étonne, c'est que dans les figurines, on n'a pas les... en tout cas pour l'instant, on n'a pas les figurines des différentes transformations. C'est un peu dommage, ça. Je suppose que tout ça va se retrouver dans des DLC à télécharger, hein, mais... Je ne sais pas trop si je vais télécharger le DLC. Ouais, excuse-moi, zombie. Franchement, c'est pas toi qui m'intéresse. Hein. Merde. Oui, ben ça va, arrête de me frapper. Moi aussi, je te frappe. Vaut mieux vraiment viser Simons. Hein. Vous occupez pas des zombies ici. Tirez dans Simons avec l'arme la plus puissante que vous avez. Pour ne pas perdre de temps, parce que si vous vous attaquez aux zombies, l'autre, il vous canarde. Alors surtout ici, ne pas oublier le quatrième emblème qui se trouve là. Je ne l'ai pas oublié. Donc, il est caché juste derrière l'escalier. Donc, essayez de vous en souvenir. Parce que vous êtes tellement pris dans l'action que, même parfois en le sachant, on a tendance à vouloir cavaler. Et bien sûr, on oublie le quatrième emblème et vous devez tout vous retaper pour aller le chercher. Ouais, bah, qui est pas encore un hélicoptère. Alors, il y a des petites munitions à trouver dans le coin, hein, n'oubliez pas. Comme j'ai dit, hein, je ne vous montre pas non plus où se trouvent toutes les caisses et tout le Bataclan, parce que sinon, on n'est pas. Je suis pas arrivé, quoi. N'oublions pas que ce jeu est quand même très, 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 très long. Oui, bah, je voudrais bien grimper. Bah, allez, grimpe. Donc, c'est ça aussi qui est un petit peu dommage par rapport au Resident Evil 4. Une fois que vous connaissez le jeu, que vous connaissez où se trouvent les caisses et tout ça, vous n'avez pratiquement plus rien à trouver. Par exemple, ici, moi, j'aurais pris plaisir... Plaît-il ? Ah oui, c'est vrai. J'aurais pris plaisir à aller un petit peu fouiller à gauche, à droite, ce que j'ai fait la première fois. Et franchement, il n'y a pas grand-chose à trouver. Oh là là. Alors là, c'est la mouche. C'est pour ceux qui ont vu le film La Mouche. Le 1 et le 2, des anciens films d'horreur, ça fait un peu penser à ça. Sauf que ici, elle est quand même monstrueuse. Hein. C'est une mouche comme ça, moi, je... Oui, Bossova, ne me tire pas dessus. Donc là, vous devez patienter qu'Elena se décide. Désolé, je suis pris dans l'action, donc je... Donc ici, vous visez la tête, c'est pas trop difficile, hein. Vous pouvez pas la louper sa tête, hein. À moins d'être vraiment de faire exprès. Je sais bien que je suis pas très bon en précision, mais quand même, là, pour le louper, faut le vouloir. Bon, hein. Oh, Elena, c'est quand tu veux, chérie, j'ai pas que ça à foutre non plus. Hein. J'ai une vidéo là qui est en train de tourner. Mais qu'est-ce qu'elle branle? J'avance. Ah voilà, quand même. Comme à chaque fois, je m'en tire in extremis. Ah d'accord, elle était attaquée par des petits zombies. Voilà. C'est par où?
C'est par là. Bah, c'est par là. Ah, non, c'est par là. Allez, hop. Vous l'avez pas entendu, mais il gueule après Elena. Donc là, on est à checkpoint. Ce n'est pas plus mal. Mais bon, on s'en fout. Ah, il y a une échelle. Il faut trouver l'échelle. Je vous dis, il y a longtemps que j'ai plus fait ce chapitre, donc je ne me... J'ai plus tout en mémoire. Vous voyez, vous avez vraiment beaucoup de... Et on se retrouve ici sur la dernière plateforme pour affronter le monstre. Entre guillemets, donc... C'est quatrième ou cinquième transformation, je ne sais plus. Je suis à 15 minutes. Et si je ne joue pas trop comme un crabe, je pense pouvoir y arriver. Je pense que je devrais quand même faire une troisième. Donc ici, l'astuce, c'est de tuer tous les zombies qui se trouvent à proximité. Et c'est surtout de tirer sur ses pattes, sur les petits éléments jaunes. Plus vous démolissez ses pattes, plus il va devoir prendre des zombies pour se régénérer. C'est quand tu veux. Oh, il s'en fout. Voilà. T'as quelque chose là que je peux détruire? Non? Bon. Ah, j'arrive pas à viser. Mais merde, c'est le magnum, bordel! Faut combien de balles dans ces appendices de merde là? C'est vraiment les appendices qu'il faut apprendre à viser. Allez, bordel. Oula, il lui montre. Alors là, il faut vite détruire les petits zombies. Pour éviter, pour qu'ils prennent le bon, en fait. C'est celui qui... Voilà, c'est celui-là qui va prendre. Pour se régénérer, hein, il se le fout dans le corps. Enfin, dans ses pattes. Il se régénère. Grâce à ça. Sauf que comme il est con, il ne voit pas qu'il y a une lance... qui attire la foudre. Alors où est-elle? Elle est là. Donc, on ramasse, on prend le petit zombie, le premier petit zombie qui passe, et on lui fout dedans. Alors deux, voilà, il veut se sympa, il vient de le prendre. Bah quelle chance. Explose-toi tout seul, mon vieux. C'est pas plus mal. Par contre, aussi la foutu, elle est où? Elle est où? Elle est là. Mais je m'en fous, ton point d'habilité, c'est ça que je veux. Oh là là. Le mec. Il faut un point d'habilité. Attends, j'arrive. Voilà. Bon, il finira bien alors là. Oula. J'ai raté le R1. Oh, j'ai le mal de mer. Oui, ben ça va. On se calme. J'aimerais bien détruire cette... Merde. Foutez-moi le corps, vous. Ouais, il faut essayer de détruire. Normalement, quand on joue à deux, c'est Elena qui s'en occupe, hein, de démolir des zombies pour vous empêcher. Allez, toi, dégage. Espèce de merdeux. Fais chier. Donc, je disais, Elena est censée vous protéger des zombies, hein. Le problème avec l'IA, c'est que c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Elle vous protège qu'à moitié quand elle en a envie. Bon, je vais devoir détruire tes pattes combien de fois, toi, espèce de... Eh merde, putain, il est carrément hors champ, zombie de mes couilles. Elena, essaye de servir à quelque chose, s'il te plaît, putain. Voilà, est-ce que tu vas le planter dans ta tête, toi? Non, il est toujours dans ça. Je sais pas combien de minutes je suis, je vais regarder... 19 minutes, c'est ça. Bon, je vais encore essayer une fois parce que s'il y a la deuxième fois, ce connard ne se le fout pas dans la tête. Allez, ramasse-le. Bon, un zombie. Non, mais qu'est-ce qui brôle? C'est pas possible. Un zombie, merci, un zombie, viens par ici, petit zombie. Voilà.
Bon, toi, là, tu vas arrêter de me casser les pieds une bonne fois pour toutes. Ah putain. Je sais pas ce qu'il a attrapé comme zombie. Je vais essayer d'éliminer les autres zombies. Bon, la paix, une bonne fois pour toutes. Donc là, il reste que qui est prisonnier. Enfin, Elena, je t'en supplie. Qu'est-ce que c'est? Qui a fait ça? J'ai pas tout capté. Non, il n'a pas pris pour toi. Et chaque fois, il se régénère. Hein. Oh là là là. Combien de fois est-ce qu'il faut le tirer dessus? Ouais, mais allez, bon. Allez, bordel, je veux plus que tu aies une patte entière. Je ne veux plus. Foutez-moi le corps, vous! Je vais pas lui grimper dessus. Je veux lui démolir les pattes. Je sais pas où il faut tirer. Ah, purée. Alors vous avez aussi cette méthode, vous pouvez monter dessus. Et puis je sais pas, il lui met une espèce de petite bombe, je sais pas quoi. Voilà, il est content. Alors là, surtout, démolir les zombies en vitesse. Ah voilà. Et une fois que vous voyez cette cinématique, ça veut dire qu'il va se le planter dans la tête. Enfin, pas trop tôt. J'aurais peut-être dû grimper sur lui peut-être plus vite. Tiens, ça aurait peut-être été plus vite de mettre une espèce de mine. Donc je sais pas combien de minutes je suis. J'étais à 19 minutes. Je suis à 22 minutes. Je vais devoir couper. Et si je me dépêche très très vite. Si je me dépêche très vite, je pourrais le faire en moins de 3 minutes. C'est par où? C'est par là. Hop, on passe là en vitesse. No checkpoint. Donc, on va prendre l'hélicoptère. Alors, je vous ferai une petite vidéo bilan après. Elle sera plus courte que les autres, mais c'est la petite vidéo bilan pour le premier, pour la première campagne de Léon. Donc, rassurez-vous. Vous aurez droit au générique et à la petite scène finale qui se trouve cachée derrière le générique. Et alors, un petit bilan. Alors là, on prend le lance-roquette, on se dépêche et on tire dans sa bobine. Au revoir, Simons. Donc, je vous laisse sur la jolie mort de Simons. Cette fois-ci, la mort définitive. Voilà, je ne sais combien de fois il se casse la figure. Et cette fois-ci, ce sera la bonne. Et bien sûr, avec le petit cliché du symbole d'Umbrella. Vous ne pouvez pas tomber à côté du pic. Hein. C'est calculé, c'est scénarisé à fond. C'est symbolique. Une excellente campagne, mais qui comporte quand même quelques petites faiblesses et certains passages qui peuvent quand même prêter à sourire. J'y reviendrai dans le bilan de la vidéo suivante. Mais en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette campagne de Léon et d'Elena. Je ne vous cache pas que j'ai pris moins de plaisir à faire la campagne de Chris, même si elle n'est pas mauvaise, je tiens à le répéter. Elle aurait pu être beaucoup plus importante et beaucoup mieux faite. Et j'ai surtout pris beaucoup de plaisir à faire la campagne de Jake et Cherry. Donc je pense que j'enchaînerai par la campagne de Jake et Cherry plutôt que de faire celle de Chris. Parce que comme je vous l'ai dit, la campagne de Chris n'est pas très importante pour le scénario. Toutes les fois où ils croisent Léon ou Cherry, bah, on a ça dans leur propre campagne. Donc finalement, dans la campagne de Chris, on n'a pas une seule cinématique, on va dire, vraiment originale, sauf par rapport à lui. Donc il est temps pour moi de vous dire à très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de ceux que vous aimez, et j'espère vous mettre les vidéos le plus rapidement possible, enfin celle-ci, pour que vous ayez tout d'un coup. À bientôt. Ada Wong avec Léon, Elena ici avec Léon.
Et Sherry avec Jake aura le même coup. Je sais pas, c'est peut-être un petit clin d'œil à Tarzan, je ne sais pas. Non. Ah mince, je suis toujours sur la corde. Non. Eh ben. Bah oui, vite, vite, il est marrant, lui, vite. Alors ici, en principe, arrangez-vous pour avoir gardé quelques balles de sniper. Non pas que c'est extrêmement important, mais ça vous permet... Voilà, donc, rebonjour à tous. Donc, j'enchaîne directement avec la suite de Resident Evil 6 consacré au chapitre 5 et dernier chapitre de Léon et d'Elena. Et nous avons donc affaire à Simons version T-Rex. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, je vous invite à aller la regarder parce que j'ai dû couper en pleine action. Ah bah si j'avais su, j'aurais pu peut-être le finir. Mais j'ai pas pris le risque parce que... Et ici, si vous loupez, bah, vous n'arrêtez pas de glisser. Et le problème, c'est que vous avez Simons au derrière. Alors, je peux vous dire que la première fois, quand je l'ai fait en mode découverte, ce passage m'a rendu fou. Surtout pas relâcher les boutons. Toujours regarder en haut, foncer et grimper. Donc on peut voir qu'ici, Simon s'attaque à Ada. Alors on se dépêche pour pouvoir lui donner un petit coup de main. Alors c'est marrant, hein, toutes les filles auront droit à leur petite corde, à toi Tarzan, moi Jane. Sans vouloir spoiler, il ne l'a pas tué. Du coup, c'est ce que je disais un petit peu dans il y a deux ou trois vidéos d'ici, la campagne de Chris pour ce qui est du scénario du Resident Evil 6, ben, il sert un peu à rien. Quoi. Comme je le dis, heureusement que dans son dernier chapitre, il sauve Jake et Sherry, enfin il les libère plus exactement. Là, je vais passer à la cinématique, je vais pas me faire avoir deux fois. Puisque Simons n'est pas mort, et évidemment, il vient nous enquiquiner pendant que nous sommes dans un ascenseur. Et ici, nous avons la QTE la plus emmerdante. Rappelez-vous, la fameuse QTE de l'avion. Ma caméra elle est sous-coupée, il restait peut-être 2 minutes sur ma caméra. Bon, ici, si j'avais su, j'aurais fait la fin, là, puisque ça prend 30 secondes de plus, mais je pouvais pas le prévoir. Donc désolé d'avoir coupé en pleine action. Donc on a la confirmation qu'Ada est bien vivante. Donc Chris Redfield a tué une autre Ada. Sans même savoir de qui elle est ou quoi que ce soit. Pour un militaire c'est un peu spécial. Enfin en même temps il a tué celle qui a tué ses hommes. Quelque part, enfin cela dit...